l'Occident a découvert, on va dire l'Orient ou le tiers-monde, je ne sais pas, on va dire l'Orient. Les autres continents, alors d'abord, c'est le XVIIIe siècle, c'est l'époque des Engelhorn, de Rameau. Autrement dit, le compositeur qui va composer de la musique a la complète faculté d'imaginer. Il imagine la mélodie qui lui plaît, le rythme qui lui plaît, et ça, c'est la mode du XVIIIe siècle. On décrit les sauvages sur des musiques qui n'ont rien à voir avec eux. Alors, au XIXe siècle, se développe ce qu'on appelle l'orientalisme des peintres. Autrement dit, les peintres aiment à retracer la véritable couleur locale et ils commencent à développer un certain exotisme. Alors, on a ça après Rameau, on a ça par exemple avec un air de Bizet qui s'appelle « Les adieux de l'hôtesse arabe » d'après le poème de Victor Hugo. Et là, on a l'apparition d'une seconde augmentée qui va être caractéristique du vrai et du faux Orient. D'ailleurs, beaucoup plus du faux que du vrai. Alors l'air c'est... Bon, ça c'est Bizet, les atouts de l'hôtesse arabe. Donc on cherche déjà à faire quelque chose qui imite la musique orientale. Et à l'époque de Bizet, il a compris que les orientaux utilisaient la seconde augmentée, en particulier dans l'appel à la prière de l'après-midi en Maqam Hijaz. Ce n'est pas toujours l'après-midi, oui. D'ailleurs. C'est défini par d'autres règles que je ne connais pas. En même temps, il y a un dénommé Félicien David qui est allé en Syrie et en Égypte au début du XIXe siècle et il crée un opéra qui s'appelle « Le désert ». Et dans cet opéra « Le désert », il veut faire un air qui serait l'appel à la prière. Alors il fait ça en si mineur mélodique descendant, ça fait la da 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 da. Ça n'a rien à voir avec Adan, mais déjà il fait un effort pour que sa musique ressemble aux musiques de l'Orient. Puis ça évolue, on a par exemple Duparc qui prend le poème de Baudelaire qui s'appelle L'invitation au voyage, et Duparc veut faire du pentatonique japonais. Il y arrive pas mal d'ailleurs. On a donc une imitation de pentatonique japonais, du moins le pentatonique japonais, celui qu'on connaît le plus, et c'est assez réussi. Puis, en même temps, s'est développée la période coloniale. Alors, comme on sait, moi je ne suis pas spécialiste de la colonisation ni de la décolonisation, c'est-à-dire les armées coloniales, face à un grand pays, elles veulent le diviser en régions administratives pour pouvoir les surveiller. Pas nécessairement méchamment, la colonisation, ce n'est pas toujours la répression, c'est la colonisation. Donc l'armée du pays conquérant est là pour surveiller les territoires conquis, et c'est ce qu'on a appelé en argot militaire le quadrillage. Donc le quadrillage consiste à diviser le pays en les plus petites unités possibles pour pouvoir mieux les surveiller. Administrer, on peut dire aussi, parce que la colonisation apporte aussi l'administration, des postes, des tas de choses, des écoles. Surtout la colonisation française apporte des écoles parce qu'on veut à tout prix leur enseigner liberté, égalité, fraternité. Alors, moi, j'ai l'impression que l'ethnomusicologie a justement été la dérive de la période coloniale parce qu'elle veut à tout prix diviser les peuples et les pays en les éléments les plus petits possibles. Ce que je remarque, c'est que l'ethnomusicologie, au départ, voulait, comme les armées coloniales ou les administrations coloniales, trouver le maximum de nuances. Par exemple, il fallait en Algérie trouver des Kabyles, puis des habitants du Mzab, puis ci, puis ça. Je ne connais pas très bien l'Algérie, donc je vais être prudent. Mais par exemple, un ethnomusicologue actuel travaille sur une vallée de la Turquie. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est du côté du fleuve Menderes. Oui. C'est dans l'ouest de la Turquie. Il fait donc un travail de quadrillage. Il connaîtra à la longue très bien la musique de cette région, mais il ne pourra pas définir ce qui
dans cette région et spécifique de la région et ce qui est importé, sauf à y passer toute sa vie, comme moi 50 ans. Alors évidemment, au bout de 50 ans, on commence à avoir, non pas tout découvert, il y a encore des choses qu'on ignore, mais on fait attention à tous les incidents de parcours. Je vais prendre le cas de l'Irak. Puisque l'Irak est un pays hybride, je m'insurge contre la façon dont les Maghrébins, par exemple, ou même les Libanais, abordent l'Irak. L'Irak, sauf si ce sont des Libanais chrétiens, à ce moment-là, ils vont chercher le morcellement d'Irak. Mais l'Irak n'est pas un pays arabo-musulman. C'est bien entendu un pays qui a adhéré au Watan al-Arabi, la langue officielle c'est l'arabe, mais la culture de l'Irak est faite de multiples influences. Alors on va prendre, évidemment les influences iraniennes sont très grandes, d'abord il y a des noms de mode, je ne vais pas dire makam maintenant, ils veulent dire makam pour tous les modes, c'est ridicule. Il y a des noms de mode qui sont communs, on dit en persan le dashti, et mon maître Jamil Bachir jouait à merveille le dasht irakien, c'est évidemment le même mode. Donc la culture irakienne, la culture musicale de l'Irak est faite d'énormément de mélanges. La part iranienne est très grande, toutefois il ne faut pas faire comme avait fait Alain Danielou il y a 75 ans, il avait dit il n'y a pas de musique en Irak, c'est de la musique iranienne. C'est idiot. C'est de la musique iranienne en Irak. Ouais. Elle est différente. Bon, certains modes sont évidemment absolument pareils, mais il y a des noms de modes pareils, mais il y a des mélodies régionales. On ne chante pas le dasht. Oh, le dasht entre Mossoul et... Pour définir un chant, en général nostalgique et malheureux, qui se chante dans les villes, dans des cafés, et une forme. C'est-à-dire, quand tu dis « je vais vous chanter le maqam Aribouni », voilà. Aribouni, c'est une forme d'un makam. Alors qu'en Turquie, en Égypte, si tu dis le rast, c'est une structure sur laquelle, évidemment, l'improvisation est souvent stéréotypée, mais c'est une structure. Alors qu'en Irak, ce qu'ils appellent makam al-Araki, oui. S'ils disent le makam urfa, c'est toujours pareil, c'est un la 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 la. Structurellement, c'est un husseini. Mais la forme s'appelle Orfa et c'est une forme bien précise. Alors la structure husseini est extrêmement fréquente en Irak, c'est pratiquement parce que tous les chants d'Irak sont en husseini, du moins ceux de la campagne. Simplement, il y a des différences entre les mélodies de l'Euphrate, qui se chantent sur une pentacorde, et les mélodies, on va dire, est-ce que je dois dire du Nord ? Oui, je vais dire du Nord. Parce qu'au bout de 25 ans d'Irak, qu'est-ce que j'avais vraiment 25 ans? Alors, ni chaldéenne, ni yézidi, ni jubouri, ni shebaki, ni arabe de Mossoul, tous les peuples de cette zone située autour du Tigre, qu'on ne peut pas appeler tout à fait Mésopotamie, puisque c'est à l'est du Tigre aussi bien qu'à l'ouest, je ne peux pas dire la région tigresse, mais toute cette région chante sur les mêmes mélodies, et au sens très large. C'est-à-dire entre Diyarbakır et Urumiya, on entend la même structure modale, Husseini, et toujours sur la même façon de s'exprimer. Si j'ai le schéma, je le montre. Mais je ne l'ai peut-être pas disponible parce que je ne savais pas de quoi on parlerait. Mais si j'ai le schéma Husseini, on comprendra tout de suite. Évidemment, je ne vais pas. Ah, ça peut-être. Et vraiment, comme je viens de le dire, un pays où le mot makam ne désigne plus une structure modale, mais une forme. D'accord. Donc, s'il dit je vais vous chanter le makam panjuga, panjuga, tout le monde sait ce que c'est. Panjuga. C'est la position 5. Mais beaucoup de gens, d'ailleurs je suis furieux quand des maghrébins ou des levantins, ils écrivent le banjka. La notion turco-arabe normalisée académique de makam devient une forme. Et sur la même structure husseini, on a plusieurs formes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai chanté le orfa, la mi 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 do ré mi, la mi 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 do ré mi, sol fa mi ré sol fa mi, ré fa mi ré do ré mi ré do ré do si la si do si la sol la si do ré mi. C'est donc l'équivalent d'un husseini, donc un bayati avec appui sur le cinquième degré.
Mais ça, c'est la forme orfa. Et si, au contraire, on veut une forme qu'on va appeler husseini, mais toujours sur la structure husseini, ça va être... Et si c'est un kurde, sur la même forme, il va chanter avec beaucoup plus de yodel, il va faire... C'est le temps de chanter. Alors, malheureusement, je connais la musique de l'Iran un peu, pas très bien, mais pas comme un Iranien musicologue, mais je la connais pas trop mal. Seulement, je ne connais pas la musique des Kurdes d'Iran. Husseini, avec cette façon de développer l'incipit, tétracorde, ta-da-da-da-da-da-da-da. Et alors on dit en Irak qu'il y a une différence avec le Dasht. D'abord il y a des différences quand on va faire évoluer. Je connais le mot turc et le mot arabe pour l'évolution du makam, c'est seir en turc et saer en arabe. Je ne connais pas le mot persan pour dire ça. On dit... Alors, il y a par exemple, en général, les Irakiens s'amusaient avec moi, mais même les prêtres assyriens en Syrie à Haseke. Comme ils savent que je connaisse les modes orientaux, ils s'amusent à chanter, puis après ils me disent « Quel mode est-ce ?» Ah. Alors, d'habitude, si ça commence comme ça, on dit ça, c'est en général... Non, justement, en Irak, ça va être le husseini. Et le dasht en Irak, il va commencer par... Alors, un jour, devant moi, c'était les gens au... Ça s'appelle Beit Makam à Bagdad, la maison du Makam, ou bien au café, il y a un café qui est près du Tigre, du côté du musée municipal de Bagdad. Et dans ce café, on chante des Makams. Alors, un jour, il commence... Moi, je me dis, bon, ça va, c'est du Dasht. Et comme le Dasht et le Husseini en Irak, ils ont la même échelle, la même structure... Je continue, j'écoute la suite, je me dis c'est du Dasht. Alors à la fin, je lui dis, ben, c'était du Dasht. Il dit non, c'était du Husseini. Oh, ben, je lui dis, alors là, dis-moi en quoi c'était du Husseini. Il dit, ben, c'était du Husseini, parce qu'il n'y a pas une grande différence, mais le début de ce Husseini, c'était comme le début d'un Dasht. Alors là, je dis, moi, là je ne peux plus comprendre, parce que je reconnais les modes à leur intervalle, à leur force interne, mais je ne peux pas tout savoir. Eux, ce sont des chanteurs professionnels, ils ont passé 30 ans là-dedans, ils connaissent leur répertoire mieux que moi, c'est normal, heureusement, parce que s'ils connaissaient leur répertoire moins bien que moi, ce serait grave. J'ai utilisé ce terme. Est-ce pourquoi que c'est... Ben, y a une raison. C'est que si on prend l'histoire des théoriciens, le premier, Mounajim, Bardad. Mais attention, Bardad, à l'époque, c'est cosmopolite. Oui. C'est le monde, alors, le monde abbasside, c'est un monde essentiellement cosmopolite. Donc les gens qui sont à la cour, si j'ose dire, abbasside, il y en a qui viennent d'Asie centrale, d'Iran, du Levant, peut-être d'Égypte, de Turquie. C'est très cosmopolite. Après, il y a les Bouyides, etc. Puis, en 1256, c'est Hulagu qui fait la loi. Mais je refais remarquer que Hulagu, il a récupéré le dernier savant. Alors, on va prendre dans l'ordre. Qu'est-ce qui a fait que moi, j'ose appeler ça la musique arabo-irano-turque. Je ne dis pas arabo-persano-turc. Parce que, justement, si on dit persan, c'est déjà lui accorder, ce qui est vrai, ce qui est normal, une spécificité persane. Mais si on parle des trois, moi je suis obligé de dire arabo-irano-turc, je devrais même dire ottomane, parce qu'en fait, tout ça c'est un monde qui, à l'époque, n'a pas de frontières. Alors le premier, on dit c'est Mounajim. Mounajim aurait fait une risala. On tombe sur des gens comme Ibn Sina. Ibn Sina, premier Mounajim, ensuite Ibn Sina, ensuite... On va arriver... Ah pardon, j'ai oublié, Farabi. Farabi, oui. 10e siècle. Mounajim, c'est le 8e ou le 9e, mais le siècle exact n'a pas l'importance, ce qui compte, c'est la chronologie. Farabi, alors, actuellement, il y a une espèce de lobby arabo-islamiste en France qui veut à tout prix
dire que les musiques orientales reposent sur le quart de ton. Le quart de ton, c'est une unité de mesure, mais pas une unité de conception. À l'époque, les gens ne pensaient pas au quart de ton. Alors, Farabi a cherché un quart de ton. Il existe un quart de ton de Farabi. Il prend le ton sur la corde de oud, il divise le ton en deux, et puis encore en deux. Mais ça fait que ce segment est plus long que celui-ci. Donc, c'est un quart de ton très élastique. C'est pas vraiment un quart de ton, c'est le quart de la distance du premier ton sur un oud, ça fait une distance. Jacques Chaillet était un homme très doué. Il avait de la science et de l'oreille. Et quand il fréquentait des étrangers, il avait de bons contacts avec le Libanais, le père Louis Hage, avec l'Israélien qui, je crois, s'appelait Adler, avec le Tunisien qui s'appelait Salah El Mahdi, et avec... il y avait ces trois-là. Bon. Mais Chaillet, c'était un grand bonhomme. Quand il se faisait inviter dans ces pays, il savait imposer sa science. Et pendant longtemps, c'est lui le créateur de l'Institut de musicologie de Paris. Et pendant longtemps, je pourrais même dire, les premières thèses dans le jury desquelles j'ai été, du temps de Goethe et quel, c'était des jurys forts. C'est-à-dire, le jury connaissait les théories musicales. Quelquefois, quelqu'un connaissait mal les termes. Il comprenait pas que Pichlou, Bachraf et Pechref, c'était la même écriture. Pardon, je devrais faire comme ça pour la caméra. Bon, alors il disait, mais pourquoi... Et puis alors, il comprenait pas très bien les translittérations. Il dit, pourquoi vous dites Safi Aldine, alors c'est pas le même que Safi Uddine ou Safi Uddine. Alors bon... Bon, ça, mais, on appelle ça un rondeau, une ritournelle, je ne sais pas. D'accord. Bon, c'est une forme musicale ottomane, je crois, au début, qui est passée chez les Arabes, mais avec un mot persan, d'ailleurs. Tout le monde sait que la langue ottomane, dans la langue ottomane, il y avait un mot arabe, un mot persan et un verbe turc. C'était en général les verbes qui étaient turcs. Alors, je reviens à... Pourquoi on dit musique arabe-iranoturque ? Premier, ceux qui sont répertoriés, il y en a eu d'autres. C'est comme les évangiles, on dit il y a quatre évangiles. Alors des gens vous disent, mais il y en a eu d'autres. Oui, eh ben c'est comme ça. Alors il y a aussi les Ikhwan al-Safa, que je ne connais pas. Oui. Les frères de la sagesse ou de la pureté. Safa, c'est la pureté, non ? Bon. Alors, Farabi est un encyclopédiste, c'est-à-dire il n'invente rien, il décrit tout ce qu'on fait à son époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Farabi décrit même un quart de ton, mais qui n'est pas juste du point de vue acoustique. Il est juste sur la corde du luth, oud. Bon. D'ailleurs, est-ce qu'il s'appelle oud à l'époque? Sans doute. Mais à l'époque, il n'est pas question de parler de makam. Makam, ça arrive au XIVe siècle. On utilise encore les termes grecs, souvent, et de toute façon, on calque ça sur la musique grecque. Ce qui est intéressant, c'est que Farabi, sur le tunbur du Khorasan, a préconiser un système pythagoricien. Et ça, c'est très important, parce que ça devait marquer, jusqu'au congrès du Caire, les musiques élitaires. Alors, son système pythagoricien, il le fait sur le tunbur du Khorasan. Attention, pas le tunbur de Bardad. Le tunbur de Bardad, il était fait pour accompagner les mélodies très simples de l'époque, qu'on trouve d'ailleurs dans les églises, dans les mosquées, je ne sais pas, moi je vais dans les mosquées, mais dans les pays où on peut. Si en Turquie on peut, quand on parle turc, si je dis Vatan Dashem, c'est-à-dire je suis un turc, mais il comprend que je ne suis pas musulman, il me laisse rentrer pendant la prière. Ça fait partie de l'amabilité, de l'hospitalité. Mais normalement les touristes ne doivent pas rester dans les mosquées pendant les prières, même en Turquie. Alors dans d'autres pays, on ne peut pas rentrer du tout. Là, je suis rentré à la Gök Masjid à Tabriz, mais c'est parce que maintenant c'est un musée. Donc on ne fait plus de prière. Alors, dans les églises, pour réciter certaines prières, ils prennent une mélodie qu'on aurait pu jouer. Ça, c'est moi qui pense, qui ai eu cette idée dans ma thèse, peut-être que d'autres l'ont eu avant moi. Par exemple, certaines prières, ils les récitent comme ça, dans un mode qui s'appelle en Irak le Mukhalif. Le Mukhalif, c'est le sabbat, c'est tiradada. Et pour le mukhalif, vous supprimez le premier degré du sabbat, qui dans la terminologie s'appelle un douga,
Donc vous faites Sega, Charga et Jazz. Donc ça fait la 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 la. Je chante pas très juste, moi je vous prie de m'en excuser. Mais ça c'est le mukhalif. Or quand je vais dans une église orientale, quand les gens récitent les prières, mais c'est ce qu'on pouvait jouer sur le tonbo de Khorasan, il dit la la de da 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 da. C'est du mukhalif ça. Le mukhalif, je ne sais pas de quand il date, mais je peux vous dire qu'on chante le mukhalif dans toutes les églises pour les prières, pas pour la liturgie. La liturgie en général, c'est du husseini, comme d'ailleurs chez les Syriaques assyriens. Alors, après Farabi. Farabi a donc introduit le système pythagoricien sur le tonbo de Bardad, et au contraire, le système harmonique, oh non, c'est le système jahilique. Mais qui peut aller sur le tonbur de Bardad, c'est un système très simple. Alors après Farabi, vous avez Ibn Sina. Ibn Sina veut définir l'heure de la seconde neutre, c'est-à-dire celle qui est plus courte qu'une majeure et plus longue qu'une mineure, et la tierce neutre, donc plus courte qu'une tierce majeure pythagoricienne, un double ton, et plus longue qu'une tierce mineure. Alors Ibn Sina les définit très très bas. Pourquoi ? Parce que c'est son système de calcul. Mais ce qui se passe, c'est que tous ces gens-là, que c'était Mounajim, Zalzal, Farabi, Ibn Sina, on va arriver après au grand des grands, je pense qu'ils entendent dans la rue des mélodies qui ne correspondent pas aux théories grecques, et comme ils entendent ces mélodies, ils se disent, mais alors, la musique, elle comprend aussi ces mélodies. Donc ils cherchent à définir la seconde neutre et la tierce neutre. Quoi dire encore ? Alors Ibn Sina fait ses degrés très bas. Mais après lui, il y a le grand Safiuddin al-Urmawi. Et puisqu'on dit Farabi, il faudrait dire Urmawi. Moi, j'écris toujours Urmawi. La première fois dans l'article, je mets Safiuddin Urmawi, mais après, je l'appelle Urmawi, puisque l'autre l'appelle Farabi. Peut-être de même qu'il y a aussi celui Ibn Rebi, mais c'est Marabi. Alors, évidemment, je ne dis pas ça pour flatter mon ami Hassan, mais ces gens-là, ils sont en général de ce qui est actuellement le territoire de l'Iran. Maraghi, Marrakech, Urmawi, Farabi, c'était la grande Perse, il est turkmène peut-être, bon, je veux bien. Alors, Ibn Sina Hamadan, et Mansour Zalzal, c'est comme Israq Mausili, Ibrahim Mausili, je crois qu'ils sont de culture persane. Ils sont de Mossoul, bon, mais Mossoul à l'époque. D'ailleurs, les Irakiens sont moins nationalistes là-dessus. Ils ne récusaient jamais les influences iraniennes. Au contraire, ils en étaient fiers. Ils savaient que leur musique était faite d'influences juives un peu, assyriennes, chaldéennes, c'est la même chose, kurdes, persanes, et puis voilà, ça fait l'Irak. L'Irak, c'est le cosmopolitisme. D'ailleurs, j'étais content, l'autre jour, je suis allé au centre culturel iranien à Paris. J'ai été reçu par une dame avec le foulard, pas le hijab. Et elle me prête un livre, et sur ce livre, il y a marqué « En Iran, on parle 106 langues différentes ». J'ai trouvé ça formidable, parce qu'en Turquie, on vous a toujours dit « Tous les habitants de la Turquie sont des Turcs, et on parle une seule langue en Turquie, le Turc ». Bon. Donc l'Iran admet lui aussi la variété interne. Alors, il va venir là-dessus, le grand des grands, c'est Urmawi, Safiuddin. Parce que lui, tout de suite, met le système pythagoricien sur le wood. Alors, j'ai remarqué que malheureusement, actuellement, les théories de Safiuddin sont mal comprises et les Arabes ne les aiment pas, parce que les Arabes, surtout les Levantins, pour les Irakiens sont plus larges d'esprit et ils admettent mieux les influences iraniennes. Alors on veut à tout prix décider que le quart de ton, c'est le module arabe. C'est ridicule. C'est ridicule. Ce sont des musiques définies sur le oud. Zalzal il ne connaissait pas le quart de ton. D'abord, Zalzal était un luthiste. C'était pas un musicologue. C'était pas un théoricien. Safiuddin, oui. Farabi aussi. Vous voyez, j'ai dit Safiuddin. Okay. En araméen, Ur, c'est la ville, Mia, c'est l'eau.
comme l'arabe Maït, c'est la ville de l'eau. Bon, et tous les Assyriens disent, moi je ne peux pas garantir parce que les étymologies qu'on tire à soi, mais Urmia, ça veut dire la ville de l'eau en assyrien, en araméen, pardon. Souret. Bon, d'ailleurs, c'est pas le Souret, c'est encore un autre araméen. C'est le quatrième araméen, quand on vient de la Méditerranée, qu'on appelle le Urmiadji. On y parle également, en fait, à Urmia. Quand je vais à Urmia, j'y vais régulièrement. Et j'en suis très content, parce que personne ne va à Urmia. Les gens vont à Téhéran, ou bien à Isfahan. Isfahan, c'est le Fars, c'est essentiel. Shiraz aussi. Mais quand on a fait les grandes villes, moi j'ai fait Meshed, j'ai fait... Oh là là, j'en ai tant fait des villes en Iran. Tabriz. Eh bien, maintenant, je vais volontiers à Urmia parce que je retrouve les mêmes musiques et les mêmes populations que je trouvais en Turquie, on va dire à Hakkari. Mais moi, je pense plutôt à des endroits encore beaucoup plus proches de l'Iran où aucun occidental ne va jamais, comme Chemdinli. Chemdinli, c'est à 15 km de l'Iran et à 10 km de l'Iran. D'ailleurs, la nuit, pour tout dire, c'est tellement près de l'Iran que la nuit, si on dort dans les villages, la nuit... On entend beaucoup de bruit, parce que ce sont tous les mulets qui partent avec des bidons sur le... Comme la torba, la kharjin. Kharjin, oui. Et ils vont chercher l'essence en Iran. Alors la nuit, il y a beaucoup de bruit dans ces régions. Et puis alors on trouve un petit village où il y a 50 personnes, mais il y a 300 mulets. On dit, mais 300 mulets, c'est nécessaire pour 50 personnes. Et oui, parce que tout, la nuit, les mulets de Ortaköy, en Turquie, politique, mais c'est kurde, passent en Irak chercher l'essence, et Çatalca, c'est des mots turcs, ça, mais autrefois, ils avaient des noms locaux, assyriens ou kurdes, ils passent à Çatalca. Mais c'est drôle, ça veut dire qu'il y a un échange. Évidemment, c'est dommage que l'échange culturel se limite au carburant, ce serait plus intéressant. Mais il y a souvent des échanges culturels parce que maintenant, les Kurdes ont beaucoup envahi le sud-est de la Turquie, donc maintenant, c'est des Kurdes de tous les côtés. Alors, finalement, Urmawi a créé, on peut dire Urmawi d'ailleurs, moi ça ne me jette pas de prononcer à la personne, puisque c'est un monsieur de Urmia, mais il a complètement introduit le système pythagoricien dans les théories, on va dire arabo-irano-turc. Oui, oui. Parce qu'il ne travaillait pas seulement pour les Persans, ni seulement pour les Azerbaïdjanais. Il travaillait pour tout le monde du Moyen-Orient, y compris pour les Juifs. Et les... Bon. Alors, après Urmawi, ce qui se passe, c'est que la musique arabe tombe en dégénérescence parce que c'est l'Empire ottoman qui gère. La logie, c'est plus qu'une science, c'est une doctrine. Oui. C'est-à-dire, quand un ethnomusicologue allait en Irak ou en Bulgarie en descendant de son avion, il disait « Ah, maintenant je vais entendre la musique bulgare ou la musique irakienne. » Bon. Donc, un peu comme les journalistes français qui vont en Iran pour décrire l'idée qu'ils ont avant même de partir, ils ne regardent rien. Ils disent « Voilà, l'Iran c'est un pays dangereux, allez. » Ils partent avec l'idée que l'Iran est un pays dangereux et sur place, ils ne regardent rien, ils veulent simplement se prouver que leur idée que l'Iran est un pays dangereux est bonne. Donc ils ne regardent pas objectivement. L'ennui de l'ethnomusicologie, c'est qu'on part avec l'idée que, par exemple, alors, à Diyarbakır, on cherche de la musique turque, c'est la Turquie. Ah, oui, mais alors, il y a beaucoup de Kurdes à Diyarbakır. Il y en a même les 4/5 de la population. Ah, alors c'est de la musique kurde. Mais là-dessus, moi, je me suis aperçu, et je n'avais aucune idée préconçue, puisqu'au départ, j'étais touriste, moi. Donc, j'ai enregistré la musique en touriste. Et quand je me suis aperçu, c'est en 1978, par là, à mi-chemin de ma carrière, puisque j'ai commencé vers 51, mais plutôt 56-57, et là, donc à mi-chemin. Je me suis aperçu, alors j'étais dans le nord de l'Irak, j'étais en voiture. En voiture, c'est bien, parce que vous entendez, vous parlez de village en village, et vous voyez les variantes. Moi, je suis un comparatiste. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le kolo yougoslave de Belgrade, il va se transformer petit à petit et devenir le kolo de Sofia en Bulgarie. Parce qu'il n'y a pas de rupture avec la frontière. Ce sont des frontières idiotes qui ont été inventées par les grandes puissances. Donc, je revenais du nord de l'Irak
Et puis, j'avais entendu le berger kurde. Le berger kurde. Un mauvais pastiche. Si un kurde... Les Kurdes, quand je les imite, ça les amuse. Mais si je leur demandais, est-ce que je vous imite bien, ils diraient, pas très bien. Mais ça ne fait rien. Ça les amuse quand même parce qu'ils reconnaissent que c'est un peu leur style. Alors, là-dessus, j'arrive à Bagdad, en voiture toujours, donc on avait entendu de la musique le long de la route. Et puis à Bagdad, je vais à l'église Ayla al-Qadsiya, la sainte famille, puisque c'est une théorie chrétienne que Joseph, Marie et Jésus, c'était la sainte famille. On dit ça en anglais, Holy Family, en français, la sainte famille. Donc en arabe, c'est l'Ayla al-Qadsiya, la famille sainte. Et sans doute, je ne sais pas s'il y a des églises en Iran qui s'appellent la sainte famille. Alors, je vais à la liturgie, et puis après la communion, le prêtre chante. Ta-da-da-da, ti-ra-ra-ra, ti-ra-ra-ra-di-da-da-da, ta-ra-di-di-da-da-da, la-ra-ra-ra-ra-di-da-da-da-da-da-da-da-da. Mais je me dis, c'est la même chose. C'est comme le berger kurde. Alors, je me dis, ah, voilà ce qui va faire la deuxième partie de ma carrière de musicologue, donc pas ethnomusicologue. Où est-ce qu'on chante ça? Et je me suis mis à écouter, à acheter des cassettes en Turquie, à Seke, Kamishli, en Syrie, en Iran, en Irak. Et je me suis aperçu que tous ces peuples, ils chantaient sur la même mélodie, y compris les liturgies chrétiennes. Alors je me dis, c'est donc un thème musical probablement antérieur à l'islam, très probablement. Alors, moi, je ne veux pas dire c'est de la musique turque en Turquie, c'est de la musique arabe en Syrie, c'est de la musique persane en Iran. Moi, j'ai trouvé ce terme, c'est une symbiose araméo-judéo-arméno-gréco-irano-kurdo-arabo-turc. Et j'oublie des tas de petits peuples qui ne sont pas ça. J'ai oublié les yézidis. Du côté de Mossoul, il y a des chebakis, c'est un tout petit peuple. Des Joubouris, tous ces gens ont droit de vivre, et ils vont dire, mais monsieur, votre symbiose judéo-arméno-araméo, et moi, les yézidis, ah, j'ai dit, bon, il faudrait 4 lignes pour définir cette symbiose, parce que chacun, mais c'était intéressant de voir que tous ces peuples chantent sur la même mélodie. Et ça, évidemment, ça démolit un peu l'ethnomusique. Ma thèse, c'est l'œuvre, c'est quand même, comme je le dis d'ailleurs dans son synopsis, son abstract, ma thèse, ça a été la somme de tout ce que j'avais vu, observé, étudié, analysé depuis 1951, la Serbie, jusqu'à le jour où j'ai soutenu ma thèse, 1995. Mais je continue la même chose. C'est-à-dire, je continue à aller dans les zones interethniques de Yougoslavie. Je continue à aller autour du Tigre, je vais chaque été en Turquie, en Syrie, en Irak, en Iran. Parce que si je ne faisais pas tout ça, tiens, tu es juste sur la carte justement, si je ne faisais pas tout ça, j'abandonnerais ma méthode qui est une méthode comparatiste. Moi, si je veux comprendre ce qu'est un village de Bretagne ou d'Iran, il faut que j'aie vu le village d'à côté. Je ne veux pas faire une monographie qui ne soit pas comparatiste. Et je pense que c'est parce qu'on connaît un Iranien qu'on comprend un Irakien, c'est parce qu'on connaît un Turc qu'on comprend un Syrien, et il faut toujours avoir un élément de comparaison. Je ne crois pas en l'étude monolithique. De même que si tu veux dire ce qu'est un gratte-ciel, il y avait une pièce comique en France, on disait... La tour Eiffel est plus haute, mais le pont transbordeur de Marseille est plus large. Mais ça, c'est de l'humour. Alors, donc ma thèse, c'est une somme énorme de voyages. Goethe, il me disait, c'est une somme. Et quelqu'un, il avait écrit, la thèse de Chabrier sera une référence internationale. Mais, je suis désolé de dire du mal de Goethe et de quelqu'un, c'est que
Ils m'ont dit des compliments, mais après, ils n'ont rien fait pour qu'elle fût éditée. Donc, ma thèse, elle est constituée de mon expérience, c'est toute ma vie. Je n'en ferai pas une deuxième, c'est terminé. Oui. D'ailleurs, dans la deuxième thèse, j'ai repris des éléments de la première, parce que je n'avais pas à renier la première thèse. En particulier, comment se déroule mon expérience ? Je découvre d'abord la Yougoslavie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Yougoslavie, je découvre l'islam, Sarajevo, c'est une ville où il y a 100 mosquées. Je découvre le monde slave, serbe, même croate, tchèque, slovaque, russe, pas les roumains. Les roumains et les hongrois ne sont pas slaves. Donc ce monde slave, le monde musulman et le monde orthodoxe. Et ça me suit, puisque à mon âge actuel, où je suis malheureusement en fin de carrière et surtout en fin de vie, je ne suis pas sorti, je suis sorti partout, mais je veux dire, je reste sous l'emprise globale du monde orthodoxe chrétien, du monde slave et du monde islamique. Alors, on va me dire, les Persans ne sont pas des slaves, bien sûr, et les Serbes ne sont pas des citoyens iraniens. Mais je veux dire, je suis à peu près dans le domaine de l'École nationale des langues orientales, dont j'ai été élève et diplômé, où j'ai appris le turc, peu le persan et encore moins l'arabe, mais mon idée c'était d'apprendre les trois langues. Je regrette de ne pas connaître les trois langues, parce que normalement, un homme cultivé de l'Empire ottoman, il connaissait l'arabe, le persan et le turc. Le turc de l'époque, qui était différent de maintenant, qui était beaucoup plus iranisé et arabisé. Donc, je suis dans un monde ottoman, plus l'Iran, l'Afghanistan, et la variante arabe du monde ottoman. Mais il est vrai que je ne vais pas au Maghreb. Le Maghreb ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dans l'Europe du Nord. Ce n'est pas du tout la même mouvance. Mais je peux dire qu'à partir de la Serbie, pour moi qui ai étudié le turc et qui suis diplômé de turc, parce que je ne suis pas diplômé de persan ni d'arabe, même si je les ai un peu étudiés, je me retrouve dans une globalité, même si j'apprécie toutes les variantes. Je sais bien qu'un Serbe, ça n'a rien à voir avec un Bulgare, ils ne s'aiment pas. Un Serbe, ça n'a rien à voir avec un Croate. Mais il y a quand même eu quelque chose, ça m'ennuie de le dire, parce qu'en fait c'est la barbarie de l'Empire ottoman qui a fait le lien. Mais l'Empire ottoman était barbare par les militaires, en colonisation. Mais la culture ottomane, au contraire, était une culture élitaire. Et c'est une chose drôle parce que les Libanais croient toujours que les Turcs, ce sont comme les soldats turcs, qui n'étaient pas nécessairement turcs, de l'armée ottomane qui occupait le Liban. Mais il y a une culture ottomane, il y a une musique ottomane, il y a beaucoup de choses dans l'Empire ottoman. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, j'avais un plan, évidemment, pour faire une thèse, il y a un plan, mais l'avantage, c'est que c'était toute ma vie qui était dans la thèse, donc le plan, il a été fait en fonction des documents que j'avais. Alors, comme tous les gens qui font des thèses, j'ai voulu analyser les morceaux. Parce que si j'avais été ethnomusicologue, j'aurais dit, il y a une musique serbe, une musique bulgare, une musique turque, une musique persane. Il fallait faire une thèse de tout ce que j'avais vécu. C'était pas compliqué, comme dès le début, dès que j'ai pu, parce qu'au tout début, je me rappelle, la première fois, j'ai acheté un disque à Téhéran en 1957. Je me rappelle encore la mélodie, c'est pom 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 pom. À l'époque, j'ai écouté cette mélodie, je l'ai retenue dans ma mémoire, mais je serais même maintenant bien incapable de dire de quel dastga ou avaz c'est, et peut-être que c'est aucun dastga, aucun avaz, c'est tout simplement une musique de variété. Comme on a beaucoup fait du temps de Reza Shah, Chayet était un homme, et c'est grâce à Chayet si j'ai fait de l'analyse, mais Chayet tout en s'intéressant à mon travail, il m'a perdu parce qu'une fois Chaillet parti de la Sorbonne, moi j'étais livré à des aventuriers ou à des gens bien mais qui n'avaient pas les moyens de s'intéresser à mon travail. Alors Chaillet voulait de l'analyse.
Et moi, je n'osais pas analyser parce que j'avais fait 10 ans de piano, un peu d'harmonie, mais je croyais que je ne pourrais pas analyser. Et je me suis aperçu tout d'un coup que j'entendais le 9e de ton, donc on va dire le coma huldérien, que je pouvais reconnaître une tierce majeure d'une tierce à la turque, c'est-à-dire comme une tierce harmonique, d'une tierce neutre. Bon, à partir du moment où on distingue les trois tierces, ça va. C'est-à-dire la majeure, l'harmonique et la neutre, on a gagné quelque chose, on peut distinguer mieux. Je me suis mis à analyser. Et alors, j'ai commencé par le panjuga irakien, parce que j'ai vu le panjuga turc, ça m'a l'air différent, et j'ai vu, il y a le ras panjuga en Iran, oui. Mais le panjuga irakien, c'est une forme, je peux la chanter, c'est dommage. Tu as l'oreille absolue, toi tu peux me donner le sol. Non, moi j'ai pas l'oreille absolue, malheureusement. Alors, tant pis, sol, 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 sol. Fa, sol, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la. La, do, si, la, sol, la, la, sol. Sol, si, la, sol, fa, sol. Fa, sol, la, si, la, sol, fa. Si, do, si, la, sol, fa. Do, ré, do, si, la, do, si, do, si, la, sol. Si, la, si, la, sol, fa. Fa, sol, sol, si, si, la, sol, fa, 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 mi. Ré, do, la, sol, fa, fa. Donc c'est un rast. En Turquie, en monde arabe, on dirait un rast. Mais alors après, donc fa, mi, fa, sol, la, abaissé, si, do, si, la, sol, fa. C'est un pentacorde de rast, comme il y aurait do, ré, mi, abaissé, fa, sol. Simplement, c'est sur fa. Mais ça, ce fa, ça pourrait être un sol. C'est le rast de Mounir Bachir était un fa. Et le rast irakien, c'est souvent rast deraje, un fa ou un sol. Mais ça peut être autre chose, parce que le chanteur, tout le monde sait que Oum Kulsoum, à la fin, son ras n'était plus un do, c'était un si bémol. Parce que tout le monde s'y est habitué. Alors, je me suis dit, est-ce que je suis capable d'analyser ce panjuga? Eh bien, j'ai pris mon magnétophone, j'avais un magnétophone à bande avec l'arrêt, la double vitesse, la demi-vitesse, ce qu'il faut pour analyser, mais toujours à l'oreille. À un moment, on m'a dit, vous devez analyser au mélogramme. Et ça a été catastrophique, parce que ce que j'ai voulu analyser sur le mélographe, c'était un moukhalif irakien. Et le moukhalif irakien, si on la voit sur le mélographe, c'est une catastrophe. Il faut l'analyser à l'oreille, sinon le mélographe va se tromper, parce que le mélographe, il est comme un ordinateur, il peut se tromper. Comme un bateau, il ne sait pas s'il faut aller à droite à gauche, il va à gauche, il fallait aller à droite. Alors, l'oreille, elle a de la culture. Il y a quand même une cervelle entre les deux oreilles. Et il valait mieux analyser le moukhalif à l'oreille. Là-dessus, je me suis mis à découvrir les plaisirs de l'analyse. Et j'ai analysé au moins 200 modulations, plus que ça en plus. Peut-être 300. C'était mon plaisir d'analyser. Ma méthode d'analyse, elle n'a pas changé. Je ne pense pas qu'on l'enseigne en Sorbonne, c'est dommage, parce que si j'avais continué à enseigner en Sorbonne, j'ai analysé. La méthode, c'est un procédé d'enseignement. Mais quand vous entendez de la musique, alors voilà, je débarque d'un avion, je suis à Bagdad et je vais au café. Quelqu'un me joue le panjuga. Si la sofa, sol, fa, sol, la, si la sofa, si, do, si la sofa, do, ré, do, si la, do, si, do, si la sol, si la, si la sofa, fa, sol, sol, si la sofa, mi, ré, do, la, sofa, fa. Alors, si je ne suis jamais venu en Irak, je dis ça, c'est un rast. Ah. Alors, je demande à mon voisin, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je vais parler irakien, c'est plus de l'arabe classique. J'arrive à Bagdad, j'entends ce maqam. Par exemple, Pajuga, avec Mourani, Moutreb, Wahwa, Yazef, Tarot, Manal Makam, Panjuga. Je me dis, c'est un rast. Alors après, je demande à mon voisin, monsieur, on m'a dit, c'est un Panjuga, mais moi, j'ai entendu un rast. Alors, s'il n'est pas bon musicologue, il ne va rien comprendre. Il me dit, non, monsieur, c'est un Panjuga. S'il est bon musicologue et qu'il a appris un peu les théories turco-arabes, personne. Il va me dire, oui, la forme c'est un panjuga, mais c'est comme un rast. Ah, mais là-dessus,
ça a commencé comme un raste. Et puis, le musicien continue à chanter. Alors, fa fa mi fa sol fa sol fa sol la si 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 la fa fa sol si si la si fa fa mi 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 ré do la sol fa fa. Retour à la finalis, à sas, disent les Arabes. La note de la si do fa fa fa. Eh, on est monté dans le haut. Do fa 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 sa sa fa fa mi mi ré ré mi ré 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 do. Ah, hijaz. Seconde augmentée. Do ré mi fa mi ré do. C'est un hijaz. Ah, je dis à mon voisin. Alors maintenant il chante le hijaz. Il dit, il continue comme ça. Adahoua, c'est comme ça. Ah, je dis, mince alors, il est gentil mon voisin, mais... Il me dit c'est comme ça, mais moi je ne peux pas comprendre, c'est comme ça. Pour lui c'est comme ça, mais pour moi je voudrais savoir ce que c'est. Alors, si je bien appris la musique, je me dis, mais alors ça, c'est un raste, mais maintenant c'est un souznak. Parce que tout le monde sait que le raste, c'est... Do fa 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 sa fa mi ré mi ré do. Mi ré do ré ré ré. Alors je dis, c'est raste. Bardin souznak. Edil. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Bali, Bali, oui, ou il va dire, comment on dit en perso? Makam souznak. Panjuga. Bon. Alors je dis, donc le panjuga, on commence par un raste et on continue souznak. Bon. Donc, on apprend à analyser le mode. J'ai analysé comme ça des centaines de modes. J'ai analysé et j'avais la chance de connaître des grands musiciens. Mounir Bachir, c'est un grand technicien, mais il n'a pas de roue, il n'a pas de poésie. Jamil Bachir, lui, il avait le roue, la poésie. C'était un vrai poète de la musique. Et puis surtout un grand qui, malheureusement, en France, a été complètement assassiné par cette mafia de la Société d'ethnomusicologie et le réseau européen, là. Saurait jamais. J'ai analysé ces grands maîtres et j'ai eu la chance, c'est vrai. Dès le début, je suis tombé sur des grands musiciens. Pour l'Iran, Faramaz Paivar. Je l'ai rencontré dans un séminaire supérieur d'analyse de musique. En fait, c'est dans un château en Hollande. Et par pudeur, comme normalement j'enregistre toujours dans le pays des musiciens, j'ai marqué que ça était enregistré dans le pavillon de chasse. Mais le pavillon de chasse, il y en avait du temps des Qadjars. Il y avait un grand parc, et puis au milieu du parc, il y avait une petite maison. Et c'est ça, c'est la vérité. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas dans un palais Qadjar et que c'était en Hollande. Et Faramaz Paivar. Il a été fabuleux. Et puis, alors, il m'a rendu un service. Parce que en musique iranienne, moi, je suis quand même faible. C'est qu'il m'a expliqué ce qu'est le nom des gouchets. Oui. Alors après, j'ai cherché, j'ai fait une analyse en expliquant ce qu'était chaque gouchet. Mais grâce à lui, j'avais le nom des gouchets. Sinon, ça c'est le Shahar Bezram. Comme Zang et Chotor. Comment moi j'aurais pu deviner que c'était Zang et Chotor? Parce que j'ai... Alors moi j'ai une chance que n'auront pas les gens plus jeunes que moi. C'est que j'ai connu les caravanes. Je me rappelle toujours, un jour, c'était à l'entrée de Téhéran. Je crois que les caravanes qui allaient de l'ouest de l'Iran à l'est de l'Iran n'avaient le droit de traverser Téhéran que la nuit. Vers 2h du matin, quand il n'y avait plus beaucoup de voitures. Sinon, c'était impossible, parce que 50 chameaux ou 100 chameaux qui traversent... À l'époque, c'était la Khiban et Shahreza. Et c'est tant... Et dans le Zang et Chotor, c'est un peu artistique, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il n'a... Celui qui a inventé le Zang et Chotor, il connaissait le son de la cloche du chameau de caravane. J'ai vu d'ailleurs de la même façon, à Bagdad, c'était pareil, les caravanes devaient attendre la nuit, et j'ai vu quelquefois 100 chameaux qui étaient avant le tigre, parce qu'ils n'avaient le droit de traverser le Tigre et Bagdad que la nuit. Alors ça permettait à des touristes comme moi, même si j'étais musicologue déjà, d'abord de voir plein de chameaux. On en voit moins maintenant. On en voit encore en Irak, mais pas beaucoup.
En Iran, il y en a... j'en ai parlé beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que j'ai vu de plus pittoresque à propos de Chameau, c'est pas de la musique, mais justement, il faut aimer les pays en dehors de la musique pour aimer leur musique. C'était dans la neige, une tempête de neige épouvantable du côté de Ardébil. Et moi, j'étais pris dans la tourmente de neige. Je ne voyais pas à 10 mètres. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver plus haut que ma voiture? La tête d'un chameau. C'était le premier chameau. Il était plein de neige, le chameau. Il avait de la neige sur les cils. Je me dis, quel malheur que je ne puisse pas photographier ça, parce que je pense que... Je ne me rappelle plus, c'était le soir. Mais c'était le chameau dans la neige. Et c'est une chose que les Occidentaux ne comprennent pas toujours. C'est que l'hiver en Iran, en Turquie, il y a énormément de neige. Ce sont des pays très froids l'hiver. Il y a beaucoup de neige. Alors, je reviens à ma question. J'ai donc connu des grands maîtres. Et puis, j'ai connu Munir Bashir, qui était un ambitieux, mais qui avait une bonne technique. Il ne connaissait pas les makamats qu'il jouait. Il ne savait pas le nom. Il était un plagiaire. Il imitait son frère Jamil, mais il avait une bonne technique. Et comme il ne savait pas respirer tout en jouant, alors quand il avait joué une phrase, papa, parali, la la la, alors, il ne savait pas respirer, donc on lui a dit, mais pourquoi vous faites des silences? Alors, comme il était très bon commerçant, il voulait vendre sa musique, il dit, mais je suis soufi, moi. Donc, après une phrase, c'est comme dans le Coran. Quand le voilà. Alors, il a inventé ça commercialement, c'était très bon, qu'il était soufi et qu'il faisait les pauses comme dans le Coran. Et il y a des gens qui y croient. Bon. Avant de jouer sa musique soufie, comme le Coran, il prenait un petit verre de whisky. Mais ça, je ne critique pas. Chaque musicien fait ce qu'il veut pour être meilleur. Alors, j'ai connu Jamil Bashir, qui était fabuleux, chez qui j'habitais quand j'étais à Bagdad, qui, lui, avait un style poétique. Mais j'ai connu aussi des musiciens moins fabuleux, mais bons, Omar Naqshbendi à Damas. Et quand je me suis mis à ma thèse, parce que toujours mon maître Berk, Jacques Berk, qui me disait, mais commencez à rédiger votre thèse. Alors je me suis mis aux analyses, alors là j'ai été pris d'une folie. Je faisais des analyses tous les jours jusqu'à 2h du matin. Et mes voisins ne s'en sont pas plaints, parce que pour faire une analyse, il faut écouter la musique et pas à l'écouteur. À l'écouteur, on est abaissé, c'est un demi-ton plus bas. Il faut l'écouter en vrai, en atmosphérique. Et je me suis dit, c'était ma première thèse, c'était l'école de lutte de Bagdad. J'ai analysé Munir Bashir, Jamil Bashir, Omar Naqshbendi, même d'autres gens. Et j'ai commencé à passer toute ma vie à écouter les musiques, les analyser. Alors, je suis allé dans des tas de pays, au Bahreïn, au Qatar, Koweït. C'est la musique des pêcheurs de perles. C'est assez joli, mais techniquement, c'est pas aussi raffiné. Oh, c'est bien quand vous êtes au milieu des pêcheurs de perles, là. Il y a du bruit, ils chantent, c'est sympathique. Mais c'est pas la musique que je préfère. Ce que je préfère, c'est la musique de solistes comme Faramarz Payvar pour l'Iran, Jamil Bashir pour l'Irak. Il y en avait un très bon, un turc. Mais il n'a pas pu rentrer dans la mafia. Pourtant, c'était Cinuçen Tanrıkorur. C'était un joueur de oud. Il était très très bon. Il est d'ailleurs mort, le pauvre. Il était malade de partout. Il était malade de la colonne vertébrale, il était malade des reins, il était malade. Il a eu une triste fin parce qu'il ne pouvait plus voyager. Un jour, il est parti en avion pour aller jouer aux États-Unis. Il n'a jamais pu sortir de son siège, il était bloqué. Alors, il est reparti vers la Turquie par le même avion. Ensuite, en Turquie, j'ai connu des grands joueurs, des vrais joueurs et des vrais soufis. Le Hayri Tümer, c'était un joueur de Ney. Je dois dire, le ney iranien, c'est joli grâce aux dents et à l'embouchure métallique, mais celui que je trouve le plus raffiné, c'est le ney turc. Le ney arabe, c'est déjà beaucoup moins raffiné. Et alors, comme il joue sur les intervalles de Safiuddin, pythagoricien, c'était magnifique. Alors, Hayri Tümer était assez virtuose. Il était soufi. Mais c'était un vrai soufi, il n'en faisait pas du commerce, il ne commençait pas par dire « je suis soufi » à se balancer sur scène, non, pas du tout. Il était excellent.
Et il a joué pour moi des bribes. Et quand il est mort, et que j'ai sorti les disques arabesques, j'avais des tas de choses dans des tas de modes. Mais comme je commençais bien à connaître les musiques du Proche-Orient, du Moyen-Orient, je me dis, il faut que je fasse moi le morceau. Je suis le compositeur de cette espèce de suite en macabre jazz qui est faite de tout ce que j'avais de Haïri Tumer, sauf ce sur quoi il y avait une fausse note ou une erreur. Et j'ai composé ma suite en Makam Hijaz, qui dure longtemps, dans les 40 minutes. Tout ça, c'est ma composition, mais attention, ma composition à partir de ce qu'il avait joué. Et ça tombe bien. Maintenant, je le dis, mais à l'époque, personne ne s'en est aperçu. On l'a dit, fantastique. Mais en réalité, il a fallu remettre les morceaux au diapason. C'était pris sur des magnétophones différents. Sur des diapasons différents, on a tout resynthétisé et j'ai eu enfin mon... Il était mort le pauvre quand j'ai sorti le disque. C'était un homme adorable. Alors après, j'ai connu un autre soufi, joueur de naï, turc. Il s'appelait Aka Gündüz Kutbay. C'était un homme très gras, obèse. Et de ce corps qui était très gros, sortait un souffle d'une douceur comme j'ai jamais connue. Je dois dire qu'il jouait, à mon avis, encore mieux que Haïri Tumer, en particulier le Sega. Le bon Makam, quand on a de bons musiciens, le Sega, c'est très très bon. D'ailleurs, quand le Coran a fait un disque de musique persane avec la vieille équipe, c'était fantastique. Tu te rappelles? Aka Gündüz était fantastique. Et je l'ai enregistré, mais je crois que les enregistrements, j'ai de lui, il n'était pas très d'accord pour les éditer, je ne sais plus. Et il est mort. Alors, je ne parlerai pas des autres soufis qui sont venus en France après, parce que ceux-là, c'était des commerçants. Ils ont fait des carrières éblouissantes au sein de la République française, mais la République française aime bien entretenir des gens comme ça. Elle ne va jamais chercher là-bas qui est le meilleur. D'ailleurs, tous les musiciens turcs se sont plaints. Ils ont dit, en France, vous faites leur carrière à des musiciens moyens. Au début, ils disaient même mauvais, mais comme il y a eu des progrès. Enfin, c'est dommage. Donc, on n'a jamais fait venir en France un ensemble de classiques ottomans. Moi, j'avais sorti des disques de classiques ottomans en 1964, avec des œuvres de très grand débit. Neva, c'est le mot, Makam Neva. Car, ça veut dire une œuvre. Comme Essel. Essel, c'est du persan aussi. Oui, Assaf. Oui. Et j'ai rencontré des gens sympathiques. Omar Najmendi en Syrie. Il était sans prétention, mais il était bon. Académique. C'était pas le génie comme Jamil Bachir, mais c'était propre, c'était parfait. Il m'a joué du Brast, bien sûr. Alors moi j'ai enregistré, mais des centaines. Et quand je suis revenu en France en 1973, mais j'avais de quoi faire 150 disques de... Mais si on prend les enregistrements de Chabrier, alors nous, là-dedans, nous ne devenons rien. Oui. On va faire un circuit dans lequel on fait venir les musiciens, on enregistre les musiciens, on fait les disques, et puis on touche les redevances, et Chabrier disparaît. Donc je dois dire, jamais personne, j'avais un mètre cube d'enregistrement, personne ne l'a écouté. Ni le responsable de l'Ocora, ni les autres, personne. Est-ce qu'une fois... Oui, alors maintenant, les gens qui demandent à écouter mes enregistrements, c'est quelquefois pour les plagier, ça m'est arrivé. Bon, alors là-dessus, ma thèse est donc le fruit d'enregistrement. Elle est composée en... Il y a 6 parties. La première partie, il faut identifier l'acoustique. Quant à musicien, il fallait organiser ma thèse. Des enregistrements, j'en avais plus qu'il n'en fallait, bien entendu. J'avais fait les disques arabesques. Numéro 1, Mounir Bachir. Numéro 2, Mohamed Sabsabir, libanais. Numéro 3, et je ne sais plus. Numéro 3, Selim Koussoul, syrien, joueur de Naï. Numéro 4, Omar Nakhmendi. Numéro 5, Jamil Bachir. Numéro 6, après, j'ai ressorti. Oh, mes disques ont eu une carrière bizarre. Je les ai très bien vendus au début, mais ça a fait des jalousies. Et je pense qu'à la deuxième série, ce se dit ce petit Chabrier, qui nous sort des solistes comme ça, qu'il enregistre lui-même, avec son argent,
on va le couler. Deuxième série, c'était encore meilleur que la première. Jamil Ranum, c'était fabuleux. J'ose pas dire le mot improvisation. La musique orientale n'est pas vraiment improvisée. Ils savent tous. Ils enchaînent des phrases, comme les Iraniens enchaînent des gouchers. L'arabe ou le turc, il enchaîne des phrases qu'il connaît par cœur. Son talent consiste à bien enchaîner, mais c'est jamais complètement improvisé. Oui, il sait déjà ce qu'il va jouer. Du moins, il sait ce qu'il voudrait jouer. Et s'il joue mal, c'est qu'il n'a pas pu trouver le rapport entre ce qu'il sait dans sa tête et ce qu'il avait dans les mains. Alors, quand on écoute un musicien, on reconnaît d'abord le makam, le mode, tout de suite. Ou bien alors, c'est qu'on n'est pas doué. Je sais qu'il y a en France des gens qui prétendent présenter des musiques ou faire des émissions radio qui n'entendent pas les makams, ils ne les reconnaissent pas. Alors, ils devraient faire autre chose, écrire l'histoire de la musique. Et malheureusement, quand j'ai dit ça une fois sur une radio, il y a eu des coups de téléphone de protestation de ces gens qui faisaient des émissions radio en France ou qui présidaient des colloques ou qui, présentaient des musiciens et qui ne reconnaissent pas les makams. Alors moi je disais toujours, si vous ne reconnaissez pas un Bayatine, un Husseini, c'est pas la peine d'être musicologue. Si vous ne reconnaissez pas un Bayatine, un Saba, c'est encore plus gros. Alors, si vous êtes vraiment très fort, vous devez reconnaître un Saba d'un Mukhalif. Parce qu'il y a une petite nuance. Dans le Mukhalif, il n'y a pas le premier degré. Donc, on reconnaît le makam, mais théoriquement, la première chose à identifier dans la musique, c'est le système acoustique. Est-ce qu'il joue pythagoricien comme un turc? Est-ce qu'il joue quart de ton comme on va dire un égyptien? Est-ce qu'il joue empirique comme un iranien? Par exemple, une fois, j'ai vu mon ami Hassan, il accordait son santur. Ah, il n'a pas accordé comme un turc. Jamais un turc n'aurait accordé comme Hassan, parce qu'il avait deux intervalles qui n'était pas homologue. Un turc, il faut que ce soit des lima, 4 comas au derrière, des apotomés, 5 comas, des tons mineurs, 8 comas, ou des tons majeurs, 9 comas. Bon, lui, c'était empirique. Il a senti que le mode sonnait comme ça. Un turc n'aurait jamais fait ça. Et un arabe non plus. Bon, mais ça, c'est les persans, ils font comme leur maître leur a appris. Bon, empirique. Donc, il faut identifier le système acoustique, même si c'est le mode qu'on reconnaît en premier. Ensuite, il faut reconnaître le mode. Ça, on le reconnaît en écoutant la mélodie. Mais ensuite, si on veut faire une analyse sérieuse, il faut reconnaître où il met ses doigts pour jouer. Parce qu'il y a une acoustique dans un instrument comme le oud. Si je joue un shadaraban, premier degré, finaliste du shadaraban, corde à vide, yéga. Une corde à vide, ça sonne pas comme une corde en doigté. Mmh. Quand c'est le santo, le canon, bon, toutes les cordes sont des cordes à vide. Ça sonne pareil. Mais sur un oud, vous n'avez pas la même sonorité. Et vous avez ce que les Iraniens appellent la note témoin. Le témoin, ça se fait sur la corde nawa, ou neva. C'est parce que c'est une corde à vide. Mmh. Si c'est le rast, on fait le témoin sur la 5, enfin le gutch. Le pivot sur la cinquième, parce que c'est la corde nava, neva. Si c'est le bayati, on fait le témoin sur la quatrième, parce que c'est la corde neva. Si c'est le sega, on fait le témoin sur la troisième, quand toujours la corde neva. Il faut pivoter, comme dit le terme, sur une corde à vide. Bon. Donc, vous avez une notion de langage instrumental. Et suivant l'accordature de l'instrument, un shadaraban finalise sur corde à vide yéga. Mais un hijaskar, c'est la même échelle si on l'écoute, mais la finale, c'est pas encore David, donc c'est pas la même acoustique interne. Les degrés qui sont réverbérants sont pas les mêmes. Et vous avez d'autres modes, le sousdil, et vous avez le shehnaz en douga. Bon, là-dessus, il faut donc identifier, c'est de ce à quoi s'attache ma thèse, identifier les systèmes acoustiques, il faut tous les connaître. Ça ne sert à... Il faut connaître le système d'Ibn Sina, de Moulajim. Ça, c'est facile, Moulajim. C'est du pythagoricien diatonique. J'avais une chance. Avant, je faisais de la médecine. Il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Tout d'un coup, je rentre au CNRS. Je gagnais beaucoup moins. Mais j'étais payé à travailler. Je me suis mis chez moi.
et j'ai décortiqué l'Erlanger page par page, chose que sans doute personne n'a jamais fait, et malheureusement celui qui a préfacé la réédition de l'Erlanger ne le connaît pas. Et ça, c'est le drame des mafias, des combines en France, et il n'y a que ça. Bon, la France est un pays du tiers-monde, et j'y suis né. Bon, ensuite, il faut identifier, si c'est vocal, c'est autre chose. Si c'est des musiques vocales, comme en haute Mésopotamie, le cœur qui chante... Là, il n'y a pas... Si, il y a des notes, comme en Iran, il y a la note témoin, il y a des notes qui, sur lesquelles on insiste. Il y a dans les musiques européennes anciennes, il y a la note du récitatif. Ben celle-là, c'est celle du récitatif. Celle-là, c'est la finaliste. Bon. Alors, les systèmes vocaux, il faut aussi les repérer, mais il faut savoir que c'est une musique vocale. Les musiques de haute Mésopotamie sont des musiques vocales. Donc moi, j'ai fait cette touche de oud pour m'y retrouver. Ensuite, j'ai fait des systèmes des tableaux acoustiques. J'ai fait un grand système qui s'appelle Oudskala. Ah, mais le Oudskala, est-ce que je vais le trouver? Parce que c'est un... Moi, quand je fais un schéma, ça me prend 3 mois, quelquefois. Alors après ça, le plagiaire qui recopie ma thèse, et il y en a. Voilà, Oudskala. Tous les systèmes acoustiques du monde oriental. Mounajim. Ensuite, il faut que je lise, sinon je vais dire une bêtise. Zalzal, il est ici, Zalzal, sur la corde du oud. Et Farabi, Ibn Sina Avicenne. Et ensuite, Farabi, sur le Tunbur du Khorasan. Et ensuite, Safiuddin sur le oud. Safiuddin et Farabi, Tunbur et oud, c'est la même chose. Mais là-dessus, on passe au quart de ton. Le quart de ton, c'est une aberration. C'est le nationalisme arabe qui a inventé le quart de ton. Il fallait trouver Mouchaka, une unité de mesure. Mais on n'a jamais conçu des modes à partir de quart de ton. Seulement, depuis que les Arabes ne connaissent plus le langage du oud, ils sont bien obligés de mesurer les modes sur les portées et sur le jeu en quart de ton. C'est une unité artificielle. C'est une unité européenne, le quart de ton. C'est le ton divisé en 4, mais acoustiquement. Et Farabi n'a jamais inventé un quart de ton acoustique, il a inventé un quart de ton linéaire. Alors là-dessus, je me dis comment représenter les modes. Alors, il y a des représentations diverses, c'est mon chapitre 4, c'est la représentation morpho-mélodique. Alors, des graphiques linéaires, j'ai fait ça pour la haute Mésopotamie, parce que ce sont des mésiques sans traité. Oh là là, est-ce qu'on va les trouver? Il va falloir aller vite. Tiens, voilà une représentation linéaire. Voilà. C'était un Bastanigar. Rezam Bastanigar. Je l'ai fait en prenant attention linéaire parce que ça permet de très bien suivre la courbe mélodique. Ça, c'est ce que j'appelle une représentation morpho-mélodique. Mais on peut faire une représentation que j'appelle structuro-modale, c'est-à-dire vous allez représenter le mode. Seulement ça, j'aurais dû préparer avant l'interview, mais c'est pas... Tenez, voilà une représentation structuromodale. Voilà. C'est une longue improvisation Shad Araban par Mounir Bachir. Alors, je marque successivement tous les modes par lesquels il joue. On ne pourrait pas faire ça en musique persane puisque la musique persane passe par les gouchers. Donc, cette représentation structuromodale est valable pour les musiques turques et arabes. On peut essayer de le faire. Moi, je l'ai fait quand même pour la musique persane, mais c'est pas l'esprit de la musique persane, c'est le goucher, c'est la mélodie. C'est pas la structure qui conduit la musique persane. Alors, ensuite, une représentation selon le langage instrumental. Alors, ça consistait à, là, il faut que je le trouve sur ma thèse, c'est le dernier chapitre, 735. Alors, attends, c'est Ras Sekarjaz. Alors, on va le faire. Fa-fa. Oh, mais là, je ne peux pas improviser. J'ai pas répété. Fa-fa, fa-mi, fa-sol, fa-sol, sol. Eh, sol. C'est qu'il y a longtemps, je ne joue plus de oud. Fa-sol, la-si. Autrement dit, comment le mode va se dessiner? Et alors, à la page suivante, il y a 736. Vous avez la comparaison entre
le... Ah, je suis au sabbat, là. Comment ça se fait que j'ai passé une page? Bon, je peux le faire sur le sabbat. Je prends un sabbat de Jamil Bachir, qui est archi simple, et au contraire, un sabbat compliqué de Mounir Bachir. Parce que Mounir Bachir va mélanger le Mansouri, oui, et le Naï qui est descendant. Le Naï, c'est... Et alors, j'ai mélangé, j'ai comparé, je ne mélange pas de musiciens, j'ai comparé avec le sabbat de Jamil Bachir, je crois que je le connais par cœur, le sabbat. On trouve ça merveilleux, on l'écoute pendant 3 minutes sans se lasser. L'impression d'entendre, j'allais pas dire une symphonie, n'exagérons pas. Mais ce qui est fantastique, c'est que, après l'avoir entendu, on trouve que cette musique est richissime. Et si on fait le calcul sur le oud, et à l'écoute, après ça, il y avait 5 notes. Mais non, il y a 5. Et à un moment, je crois qu'il rajoute une petite sixième, mais c'est ça le talent. Alors, c'est un travail considérable, et ce qui est très drôle, quand j'ai soutenu cette thèse, j'ai été couvert de félicitations par mon jury, le père Louis Hage, doyen ou recteur de la faculté de musique de Castic. Je me permettrai de dire, il ne sait pas analyser la musique. Et c'est un peu embêtant de demander de mettre président d'une analyse un homme qui ne sait pas l'analyser. Goethe a été très bon, Goethe, à 80 ans. Ouais. Mais Goethe est un excellent musicologue. Il est de la lignée de Chaillet, c'est-à-dire il a une bonne oreille et une grande culture. Alors, il aurait fallu faire tout de suite imprimer ma thèse, parce que ma thèse était un traité d'analyse musicologique limité, je reconnais, aux musiques modales heptatoniques. C'est-à-dire, je ne fais pas de pentatonique, donc je ne fais pas le Vietnam, le Cambodge, la Chine, le Japon. Et ça commençait, mettons, avec la Serbie, quoi, à partir du moment où la musique est peut-être modale. Malheureusement, donc, tout le monde s'est fait inviter au Liban et moi, je suis resté avec ma thèse sur les bras. Ensuite, ben, les presses universitaires, ben, la Sorbonne ne veut plus éditer ma thèse. Alors, je vais la faire éditer par l'Institut français du Proche-Orient, parce que ce sont des orientalistes qui savent que je travaille, que je suis sur le terrain. Je suis tous les étés entre la Turquie, la Syrie, le Liban. Le Liban, j'y vais très peu. Ce n'est pas une bonne école musicale, le Liban. Les bonnes écoles musicales, c'est la Syrie, c'était l'Irak. Donc, seul l'ennui, c'est que je suis vieux, je connais mal l'informatique, j'ai besoin d'aide. Et je reconnais que je viens de demander au CNRS, je leur ai dit, pendant 20 ans, plus de 20 ans, j'étais chez vous, vous ne m'avez jamais donné un centime de crédit. Pour des raisons politiques, parce que je connaissais les Albanais du Kosovo et les Kurdes qui massacraient dans le sud de la Turquie. Alors ça, c'est très mal de penser ça en France, il ne faut pas le savoir. Donc, et j'ai besoin d'une aide informatique. Alors Paris-Sorbonne ne fera rien pour moi, puisque maintenant ils sont complètement dans la dérive. Le CNRS, il suffit de connaître. J'ai demandé à un directeur de laboratoire. Il faut m'aider en informatique, je ne peux pas le faire tout seul. Et on n'accepte pas le défi. C'était, je vais vous raconter une histoire. Oui. Quand vous croyez que vous êtes celui qui a le plus travaillé, vous êtes le plus doué. Bon, c'est toujours limité, on est le plus doué dans un certain cercle, mais si on allait plus loin, on ne serait plus. Vous faites un défi. Je mets au défi n'importe qui pour une analyse modale. Bon, évidemment, personne ne se présentera. Sauf si c'est sur un morceau qu'il connaît déjà, qu'il a déjà analysé, et que moi j'ai jamais entendu, évidemment, il va être meilleur que moi. Bon. C'est arrivé à Jamil Bachir. Quand Mounir Bachir a commencé à devenir célèbre en Europe, il avait des copains journalistes au Koweït, au Liban, qui ont fait des descriptions scandaleuses et complètement fausses. On a dit que la foule du palais de Versailles avait applaudi pendant 20 minutes debout Mounir Bachir. C'est pas vrai. Il a été applaudi 20 secondes après avoir joué 4 minutes 15. C'est pas un récital, c'est un morceau qu'il a joué. Il était présenté de façon scandaleuse par Simon Jargy, qui a dit « Mounir Bachir, il joue sur le oud de Ziryab ». D'abord, le oud de Ziryab, personne ne sait comment il est fait. Ensuite, le oud de Mounir Bachir, il avait été fait par Mohamed Fadel. C'est un oud avec un pont, un visseul, un chevalet, oui, en français. Je ne sais pas pourquoi je traduis visseul par pont. Donc, il a une certaine réverbération.
il n'était pas aussi bon qu'un oud de Ustad Ali, mais Ustad Ali, qui était un persan, installé à Bagdad et qui faisait les ouds, il ne voulait faire les ouds que pour les très grands musiciens. Alors le jour où Mounir Bachir est allé voir Ustad Ali, ça c'est de la petite anecdote, mais la petite histoire c'est la plus drôle. Et Mounir Bachir lui dit Ali du oud, Mumtaz. Et l'autre lui a dit, je ne peux pas faire un oud. Et il n'a pas voulu faire le oud de Mounir Bachir parce qu'il a dit, Mounir Bachir n'est pas un bon musicien. Je peux dire pour qui il a fait des ouds. Il en a fait un pour Jamil Bachir. Il en a fait un pour Jamil Ranum. Il en a fait un pour Salman Shukur. Mais Salman Shukur, il est vieux maintenant. Il a été un bon musicien, mais il joue sur partition. Il n'improvise pas. Et puis maintenant, le pauvre, il est trop vieux. Il est comme moi, il n'a plus de doigts. Mais c'était un homme gentil, Salman Shukur, poli, bien élevé. Alors, il y a Nasser Shamma, mais Nasser Shamma n'est pas de la grande école. Il est bon virtuose, mais il n'est pas resté assez longtemps en Irak. Il n'a pas le rouh irakien, mais il est un bon musicien. Et puis, il y a tous les fantoches que la France a inventés. Fawzi Saïeb, c'était un Tunisien, il jouait très médiocrement. Mais ils ont inventé Fawzi Saïeb parce que moi, je venais d'Irak avec Jamil Ranum. Beaucoup de Jamil Bachir. Malheureusement, quand l'Iran a invité au festival de période de police Jamil Bachir, Jamil Bachir était malade et c'est Mounir Bachir qui est allé à sa place. Ça aurait été mieux avec Jamil parce que Faramaz Parivar appréciait beaucoup le jeu de Jamil Bachir. Alors, je voudrais terminer en rendant un hommage. Il est maintenant hémiplégique. Je voudrais rendre un hommage à Faramaz Parivar. C'est un homme que je n'ai pas beaucoup connu, beaucoup moins que Jamil Bachir. Mais c'était un homme qui était honnête. Il avait tous les talents. Il jouait très bien et il était très honnête. Et je me rappelle quand mes disques ont été coulés par la mafia, il aurait pu tout de suite enregistrer le même Dastga. Non, il est resté longtemps. Il m'a dit un jour en anglais, « I don't want to be a lawful ». Ça l'ennuyait de voir que mon disque avait disparu, mais d'un autre côté, il ne voulait pas me doubler. Alors que Mounir Bachir l'a fait. Mounir Bachir, après mon Panjuga, il a fait pour une... comment ça s'appelle, la maison du culture.